Hier soir, quand j'ai commencé à faire mes valises, j'ai fait oh putain, faudrait que je prenne une photo avant de partir. J'ai commencé à déballer, j'ai fait non, jamais. Si, je vais faire ça. Du coup, j'ai abandonné. Ah, j'ai de la bonne visibilité là, c'est cool. Regarde, on va faire des trucs cinématiques, tu vois. Pourquoi ils s'arrêtent lui au milieu de la route là? Pourquoi t'as une aubergine? Panoramique de la passe, j'avais compris, c'est pas droit la passe. Hein? J'avais compris, c'est pas droit la passe, ce qui est vrai aussi. En l'occurrence, voilà. C'est même un tout petit peu penché. Salut. Quand on est organisé à la dernière minute, c'est comme ça qu'on prépare les sacs. Donc Jules, tu peux nous en dire un petit peu plus là, sur ce qui se passe? Donc là, on va partir pour 5 jours de trek. Et entre escalade, test du matos, rapporter le matos qu'on rapporte aux jeunes du village et tester ce qu'on veut tester pour la suite, ben, un coup en mieux, donc on va emmener une valise en plus. Et tout le reste, on va le laisser ici. Donc du coup, là, c'est un peu le bordel pour refaire le tri. Yes.
la saleté et mets un coup de marteau. Voilà, alors pendant qu'une aide dont je ne citerai pas le nom, mais bon, ça commence par A et ça finit en I, se prélasse au soleil, bah, il y en a d'autres comme Jules qui bossent, quoi, qui font des petits murs. On voit qu'il a bossé dans le BTP, hein, ça le quitte pas. Il aime bien faire des murs, il construit des pierres. Ah, on est au... Je sais pas comment la mettre celle-là. Mais une petite dessous pour la caler. Ouais, mais après j'ai peur que ça bascule sur la... Ouais. Voilà. Tout que j'ai choisi, j'ai mis ma tête de ce côté, c'est peut-être pas intelligent en fait. Ah, on est au top ici. Hein. Ouais. Mais en fait, la stratégie. Alors, une expédition bien réussie, hein, c'est avant tout du bon matériel. Voilà, donc un bon chapeau pour se protéger des Par rayons exemple, lunaires. Déjà, un beau chapeau. Voilà, parce que la lune est. La lune est très forte ici, on ne le dit pas assez souvent. Et donc, ensuite, un très bon sac. Surtout un bon sac. Un bon sac, ça c'est un bon sac ça. Mais après. Une bonne corde. Hein. Une bonne corde. Elle fait combien de mètres? Je sais pas. Mais en tout cas, elle a l'air de bien prendre l'eau. Je pense que là. Je pense qu'elle va peser. Ouais, je pense qu'elle va peser dans le game, c'est là. Et puis surtout. Surtout, évidemment, surtout. Les bons crampons du début du siècle. Les bons crampons, 1912, représente. Alors oui. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé tout notre matériel à la passe. Voilà. Du coup, en fait, heureusement que le copain Davidé, il nous a prêté des trucs. Du coup, voilà. Les trucs de la mission de Peñas. Faut se mettre la mission. Et vous n'avez peut-être pas encore vu le clou du spectacle. Parce que le clou du spectacle, c'est mon pantalon. Tiens, fais-nous une présentation. Voilà, donc c'est un pantalon dernier cri. C'est un peu comme Bienvenue chez les bronzés font du ski. Voilà. Donc, en fait, tu pètes le style, quoi. En fait, c'est pour qu'on te confonde avec le glacier, tu vois, t'es dessus. On voit juste un carré jaune qui se balade sur le glacier. Voilà, après, c'est. Oh, ça peut être pas mal, hein. Je pense que. Je pense que je vais pas avoir froid. Hein. Un peu lourd. Ouais, mais je vais pas avoir froid. Ah, tu devrais pas avoir froid. Ouais, non, ouais, non. Allez. Hop. Coucou, il est 19h20. C'est l'heure de coucher tous les petits enfants. Dans la tente la moins large du monde. Voilà, c'est une tente de Chichilien. De Chichilien. De Bolivien. Du coup, c'est dodo à 4700. C'est le plus haut dodo jusqu'à le prochain sommet en fait. Ouais. Jusqu'à le prochain départ. Et demain, premier 5000. El Pequeño Alpa Mayo. Qui est soit à 5370, soit à 5410. On sait pas trop. Voilà. Donc bon, 5000. Mettons que ce soit plus que ça. Allez, buona notte. Buona notte. Hasta luego, hasta pronto. Bon, lève-toi la manière. Alors Jules, les céréales... Ouais, c'est pas mal en fait. C'est comme du chocolat très dense. Enfin, du coup, la densité vient de...
Sam, donc une floucon d'Awan, musulman, on sait pas trop ce que c'est. Mais c'est bon, c'est sucré, ça nourrit, il y a des féculents, enfin. Franchement, on peut demander de plus, quoi. Voilà, à l'attaque du condor Riri. Là, c'est la tête la plus haute derrière. À gauche, l'aile gauche du condor. Il y a une magnifique face à faire, là. C'est les copains du corps d'à côté qui l'ont fait hier. Bon, l'eau n'est pas encore assez acclimatée. On n'a pas les deux épaules, donc on n'ira pas. On va aller au condor Riri. On va voir ce qu'on voit de là-haut. Dis-moi un peu ce qui se passe là, parce que je suis un peu perdu là, je comprends alors, pas. Alors là, je suis en train de mettre de la crème solaire, parce qu'on a un magnifique lever du jour qu'on n'avait pas prévu en fait. Donc on s'est levé à 4h pour prendre un taxi pour aller dans la ghetto zone, prendre un bus qui en fait n'était pas là. Du coup, on a négocié avec le taxi qui nous emmène jusqu'à destination, en lui disant ouais, il y a une bonne route, c'est une heure de route. En fait, c'est un chemin et il y en a pour 2h. Mesdames, messieurs, bienvenue au camp des Argentins. L'altitude y est de 5550 mètres et la température extérieure d'environ moins 2 degrés. La météo... Bienvenue dans notre nouvelle maison. Voilà. Voilà, donc ça, ce sera la porte d'entrée. Et donc ici, en fait, donc là, l'important... Là, il y aura la cuisine. Non. La cuisine plutôt ici, à l'abri du vent. Plutôt derrière, avec les évacuations d'eau. Voilà. Un peu plus loin, on a la faille de San Andrea pour les toilettes. Donc là, c'est parfait, hein. Là, voilà. Ça coule, c'est direct. Et puis de ce côté-là, on se proposait de mettre une petite terrasse parce que la vue y est relativement intéressante. Voilà. Hein. Donc en fait, on va mettre une terrasse. Bon, là, du coup, on est l'après-midi. Et comme on avait fini de monter le camp, on a décidé de monter par là. Donc de faire le Potosi comme sommet du soir.
Bon, retour à la tente pour une nuit confortable. Il fait pas chaud, hein? Non. Comment on sait qu'il fait pas chaud, Jules? Ben, le gaz, il a congelé. Et en fait, ben, on n'a pas pu faire d'eau chaude, ni de pâtes, ni de thé, ni de... Enfin, ni de trucs chauds, quoi. Du coup, ben, on mange les gâteaux qui sont congelés, qui étaient dans le sac. Et voilà. On partage des malheureux paquets de gâteaux à deux, comme ça. Voilà. Mais ça, c'est grand luxe, hein. On a des belles vitas. Mm. Non, en Bolivie, on a des belles vitas. Pas négligeable. T'as belle la vie. Allez. Bonne nuit. Vamos. Bonne nuit. Alors Jules, on est où? On fait quoi? Ah, on redescend de Huayna Potosí au soleil. Et... c'est l'heure de déguster le sorbet au cola qu'on a fabriqué cette nuit. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air bien frais. Ça fait du bien avec ce soleil. Là, maintenant qu'on est redescendu, il fait bien meilleur. Ça, c'est juste pour... pour les oreilles par rapport au soleil. Et du coup, on attend qu'il y ait une voiture qui passe par là pour nous ramener à la passe. Ouais, en fait, c'est une petite précision, on n'est pas là juste pour le soleil. C'est juste qu'on ne sait pas comment rentrer. Voilà, on est à 3 heures de route de la Paz, enfin 3 heures de chemin plutôt. Arrête, c'est une bonne route ça pour la Bolivie. C'est vrai que c'est une bonne, surtout ici. C'est une bonne route. Ici, elle est vraiment bonne. Au début, c'était un peu chaotique, mais là, ça va. Bon, allez, je reprends un peu de sorbet au cola pour la route. Tiens, hop. Pour la tente. Vamos. Alors, en exclusivité pour vous, mesdemoiselles, hein, et certains messieurs peut-être aussi, voilà le Jules qui sort de la douche. Il est tout propre, faut en profiter hein, parce que ça ne va pas durer. Par contre, il a eu un petit accident de tête nasale. Mais comme c'est devenu noir. Ah, mais c'est dégueulasse en fait. Mais c'est tout visqueux et tout. Mais ça va, je crois que la douche, ça a calmé mon mal de nez, donc...